Le secret reste toujours bien gardé du côté de la Française des Jeux par souci de préserver l'anonymat. On ne connaît toujours pas le regagnant de l'Euromillion qui a remporté la cagnotte de 26 millions d'euros. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a validé son billet vendredi dans le département du Pas-de-Calais. Alors 26 millions d'euros, ce serait le plus gros gain jamais remporté par un nordiste. Et ce gagnant, il avait une chance sur 116 millions de gagner. Forcément, ça fait rêver dans notre région qui est l'une des régions les plus joueuses de France. Alors et vous, que feriez-vous avec 26 millions d'euros? Ambiance tout de suite. Je pense que je m'achèterais une maison avec une grande piscine. Et je donnerai un peu d'argent à mes proches, mes amis, ma famille. Des grands territoires en Andalousie pour faire l'élevage de taureaux. Et si on ne connaît pas le nom du grand gagnant, la Française des Jeux ne dévoile pas encore pour le moment le lieu où le ticket a été validé. Il sera connu si le chanceux ne s'est pas fait connaître dans les 60 prochains jours. On n'en est pas là. Il devrait rapidement se manifester.